Yo tout le monde, c'est Matt. Aujourd'hui, nouvelle vidéo ouverture. Je suis toujours en compagnie de Frenchy Collector et Poké Vintage. Donc, merci à eux pour cette vidéo. Donc, aujourd'hui, on ouvre quelque chose d'incroyable. On a ouvert beaucoup de choses sur cette chaîne, mais aujourd'hui, c'est la première fois qu'on ouvre du japonais avec pas n'importe quel booster, avec un booster Neo Discovery. Voilà, qui est juste ici. Et c'est Frenchy Collector qui rince. Donc, merci à toi. Mais de rien, c'est un plaisir. Petite question sur ce booster, qu'est-ce qu'on peut avoir dedans? Bah un peu comme ce qu'on a sur, sur le français. Sauf toutes les holos. Ouais. Toutes les holos sont identiques, sauf une qui est un peu particulière. C'est celle que c'est la secrète de Rocket, ouais. Le Raichu secrète qui est dans Rocket, qu'on retrouve ici en secrète sur Neo Discovery. Sinon, c'est la même chose. Okay. Et ce qui est bien avec le japonais aussi, c'est que bah, chaque booster est assuré d'avoir une holo. Ok, donc là, on va avoir une holo sûre. Quoi. Ouais. Oui, on peut avoir un Mantali, un Octali, un Kabutops, un Raichu secret. Et toi, c'est laquelle que tu veux? Si on peut avoir le Raichu ou le Mantali ou le Noctali, ouais. Franchement, là, c'est le booster là, sera stabilisé. C'est quoi la particularité du Raichu du coup? La petite étoile blanche. Ah oui, c'est la petite étoile blanche. Ouais, en bas. C'est blanc du coup. Ok, parce que si vous n'avez pas suivi la vidéo précédente avec l'ouverture d'un coffret GX, Mantai GX, nous avons deux personnes qui sont à fond dans le japonais, donc deux gros collectionneurs de japonais, donc n'hésitez pas à les rejoindre sur Instagram, tout est dans la description. Et donc on a de très gros connaisseurs de séries japonaises, donc je suis bien entouré pour cette ouverture, et en plus j'ai la pression d'ouvrir ce booster qui vaut à peu près... Ouais, dans les 200-250 voilà, euros, c'est une petite pression, on sait rien du tout. Ça dépend de l'état. Celui-là, il est, on voit que l'état, il y a un petit défaut sur le dessus, donc il est un peu moins cher. Mais ouais. sur un booster mint, on est sur aux alentours des 200 euros. Mais franchement, les états des boosters, ça n'a rien à voir avec les états des cartes. Hein. Les gens, ils sont malins en regardant dessus. Ouais. C'est un bel item malgré tout. Ouais. Bah, en général, les états des cartes sur le japonais, très bonnes. Ouais. Ouais, l'impression est... Mais le loup est devant, du coup, ça peut avoir des défauts quand même. Donc moi, mon but, ça va être d'ouvrir le booster comme ça, et de donner l'holographique à Frenchy, pour qu'il la mette directement sous sleeve, et on la regardera à la fin, on va déjà regarder tout ce qui est commune et peu commune, avant de s'attaquer à l'holographique. C'est parti. Allez, vas-y. Ouais, essayer d'ouvrir sans le défoncer, ça c'est pas moi qui vais le faire parce que moi je sais pas ouvrir les boosters correctement. Non mais c'est un expert, il en a ouvert d'autres. Hein, ah ouais. Ouais mais... Peut-être pas des seuls, mais... C'est pas grave si tu le défonces un peu. C'est vrai que dans les holos, il y a le Tyranosif qui peut être pas et qui va être une belle carte aussi. Tyranosif, Noctali, Mantali... Bon, ça y est, il est clean. Ouais, je t'ai essayé de bien l'ouvrir. Ah, nice. Ah, ça c'est beau ça. Donc, du coup, donc là, on est sur. On récupère le lot. Doucement. Voilà. Bah, ouais. Est-ce que les Frenchies, est-ce qu'elle est propre ou pas? Bah, j'ai l'impression qu'elle est très très propre. Bon, tant mieux déjà. Nice. Ouais, est-ce que tu peux grader des cartes toi? Non. Non, du tout, moi je grade pas, non. Je vais pas tourner, le spoil. Ouais. Pas de spoil, hein. Ouais. On la regarde à la fin. Attends, je vais comme ça. Donc là, on peut voir aussi la première version verso des cartes japonaises. Oh! Il a pas vu. J'ai pas vu. Je l'ai fait tourner. Non, je l'ai pas vu. Donc du coup, on va commencer cette ouverture avec un Damonistar. Enfin, ça fait bizarre de retrouver ces cartes. Parce que moi, je les ai pour le coup collectionnées qu'en française. Donc là, c'est que du japonais. Donc, un petit Amonistar. Elle est stylée, celle-là. Okay. Ouh, je la connais pas, celle-là, dans la série. Ça doit être 9 chances, un truc comme ça, non? Je sais pas. Malos. Oh, elles sont belles. Ouais. Oh, la qualité, c'est vraiment pas du français, quoi. C'était œuf fossile. Œuf fossile, ok. Axolotl. Axolotto, je crois, c'est ça. Axolotto, ouais, c'est ça. Et le Pokémon. Et l'animal, c'est Axolotl. Ouais, ça, c'est... Après, on a un pomme de pique. On a un petit granivole. Là, on n'est pas sur des paquets de 5 cartes comme on a dans la fois. Ouais, le migal.
Que de la plante là. Ouais. Ah c'est fou ça. Aspico. Aspico. Teddy Ursa. Elle est stylée celle-là. J'aime bien l'illustration. Et c'était la dernière avant de connaître la révélation. La révélation, donc celle-ci. Écoute, je suis bien tenté de connaître le numéro au début. Tu vas être. C'est le numéro. Tu connais Pokédex, pas en fait. Si je dis pas de bêtises, on doit. Après, avec la couleur aussi, on va pouvoir. Oh, déjà, c'est violet. Mmh. Il y en a qu'une en violet, je crois. Attendez, je vais tester. Non, il y en a plusieurs. Il y a un Zarbi, non ? C'est la numéro 202. Ah, si. Il y a trois cartes. Il y a un Zarbi, Kulbitoke et Mentali. Mentali. Il y a trois cartes. Trois coups de retrait. Ça sent. Ah, dommage. Kulbitoke. Franchement, je la trouve cool quand même. Elle est jolie. C'est une belle carte. Elle est très jolie. Hein. Là, on peut voir franchement la qualité des cartes japonaises. C'est vraiment autre chose. Hein. C'est quand même un Pokémon emblématique hein, du dessin animé et tout. Ouais. Kulbitoke, franchement, c'est pas non plus. Et puis le centering et tout. C'est dommage, je sais pas si ça rend hyper bien à la caméra, mais la mood de la triangle, là, on voit vraiment le. Ouais, on voit les différentes strates sur le lot. Ouais. On voit un genre de trois nuages. Ouais. Je la trouve vraiment cool. On voit bien. Et du coup, elle est vraiment nickel alors, malgré le fait qu'elle soit toute devant et tout. Bah ouais, j'ai l'impression. Hein. Non, j'ai l'impression qu'il y a une toute petite. Ah ouais, tu vois une sleeve là. C'est sur la caméra, je sais pas du tout. Tu vois, oui, je vois une. Ouais, c'est peut-être sur la sleeve. Yes. Peut-être. On va essayer de la sortir. Hein. Bah voilà, en tout cas, grosse pression pour cette ouverture parce que mine de rien, 250 euros. Enfin, 200 à 250 euros. C'est sur la sleeve. Ouais, c'est sur la sleeve. Ouais, non, elle est trop. On va attendre alors. Il y avait un petit Spiroli en haut à droite. Ah ouais. Donc, du coup, 250 euros, c'est quand même quelque chose d'ouvrir un booster comme ça, mais voilà, c'est cool. Putain, premier booster que j'ai. Je vais t'annoncer que c'était ton anniversaire. Et je t'offre. C'est vrai ? C'est Kulbitoke. Ah, oh, dis donc. Oh, nice. Hey, c'est ma deuxième holo dans Discovery. Voilà, tu vois. Du coup, c'était pas pour rien que j'avais choisi ce booster. Putain, merci les gars, merci. Voilà, de rien. C'est que de l'impro, voilà. Merci, putain, c'est cool. Putain, je vais finir par faire Discovery. Hein. Ouais, bah, franchement, là, t'es lancé, ça y est. C'est parce que j'ai la Noctali qui m'a été donnée par Michael. Donc là, je me retrouve avec un Kulbitoke, c'est cool. Je pourrais l'inscrire dans ton application. Allez, mais let's go. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup. Puis voilà, n'hésitez pas à rejoindre du coup au frère. J'en perds mes mots, tu vois. L'émotion. Frenchy Collector sur Instagram, parce que voilà, des personnes comme ça, c'est rare aujourd'hui de partager sa passion et de donner des cartes comme ça, c'est super cool. Et voilà, nous on a passé une bonne soirée, c'est pas encore fini, donc on a derrière. Un truc sympa à ouvrir. Voilà, bon, on va faire ça hors vidéo, parce qu'on a aussi envie de profiter un peu de notre côté sans la pression de vidéos, des images, etc. Donc merci, putain, c'est cool. De rien. Voilà, je suis. Waouh! Putain, c'est trop cool! une deuxième qui arrive dans mon super classeur. Alors là, si tu commences pas le Discovery, tu commences pas la japonaise. Et des Co-Anko booster fresh quand même. Ouais. Vraiment, là, c'est pas important. Parce que tu me files aussi les communes. Oui, je te file le booster. Wow. Ah ouais, c'est. Ah ouais, t'es. Oui, non, bah, parce que le Kulbitoke, c'est. Ok, c'est. Ah ouais, c'est. Là, on est sur une personne en or, donc Instagram direct. Hein. Il y a que comme ça qu'on peut remercier les gens en le suivant sur Instagram, leur envoyer plein de petits likes, etc. sur leur story, parce que vous partagez beaucoup de choses avec ton application et beaucoup de choses la collection, je vois de très belles choses qui passent et ça fait plaisir de voir des passionnés comme ça partager leur collection, donc foncez, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Malheureusement je peux que faire ça pour le moment, c'est déjà très bien, mais derrière on va s'arranger, vous inquiétez pas, je vais pas vous laisser comme ça. Voilà, bah écoutez, la vidéo était très longue pour une ouverture de booster, mais j'ai voulu prendre mon temps parce que c'est pas tous les jours qu'on ouvre des choses comme ça. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à rejoindre les réseaux, le Discord, Instagram, Facebook, tout est dans la description. Je vous dis à la prochaine. Tchuss, merci les gars. Ciao tout le monde. Salut. Hey, tchuss. Hop. Bah putain. C'est beau ça. Je voulais attendre que ce soit dans la vidéo pour te le dire. Ah bah...